Passons à la question suivante, allez-y. Bonjour, je m'appelle Jenny. Je suis en deuxième année et j'ai une question à vous poser à tous les trois. Pouvez-vous nous dire en une phrase ou moins pourquoi... Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez nous dire pourquoi les États-Unis sont le plus grand pays du monde? L'égalité des chances et la diversité. Lewis? La liberté et la liberté. Alors faisons en sorte que ça dure. Will? Les New York Jets. Non, je veux une réponse sérieuse cette fois. Qu'est-ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde? Eh bien, ils viennent de le dire, l'égalité des chances, la diversité, la liberté et la liberté. Je ne vous laisserai pas reprendre votre avion tant que vous n'aurez pas répondu. Bien, notre Constitution est un vrai chef-d'œuvre. James Madison était un génie. La Déclaration d'indépendance est, selon moi, l'œuvre la plus importante de notre histoire. Vous n'avez pas l'air satisfait. La première est une liste de lois et la deuxième une déclaration de guerre. Je veux entendre une réponse plus personnelle. Pensez aux gens qui vous écoutent. Pourquoi les États-Unis sont-ils... Les États-Unis ne sont pas le plus grand pays du monde, monsieur. Là voilà ma réponse. Vous êtes en train de... Oui. Parlons de vos différentes... Bon, d'accord. Sharon, l'aide à la culture est une cause perdue. C'est qu'un centime en moins sur notre fiche de paye. Il peut attaquer là-dessus dès qu'il en a envie. Ça coûte pas de l'argent, ça coûte des voix. Ça coûte du temps d'antenne et des paragraphes en une. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas la gauche? Vous êtes des perdants. Si vous êtes si malin, comment ça se fait que vous perdez comme des cons à toutes les élections? Et puis toi, comment tu fais pour garder ton sérieux en disant à des étudiants que notre pays est tellement exceptionnel et merveilleux que nous sommes le seul peuple dans le monde à connaître la liberté? Le Canada est un pays libre, le Japon est un pays libre. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la Belgique sont des pays libres. Parmi les 207 États souverains qu'il y a dans le monde, 180 d'entre eux sont des pays libres. Enchaînons. Et toi, la fille à papa, écoute, juste au cas où tu t'aventurerais accidentellement dans un bureau de vote, il y a certaines choses qu'il vaut mieux que tu comprennes. Par exemple, qu'il n'y a absolument aucune preuve qui atteste que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Nous sommes 7e en ce qui concerne le taux d'alphabétisation, 27e en maths, 22e en sciences, 49e en espérance de vie, 178e en mortalité infantile, 4e en force de travail, 3e en revenu médian des ménages et 4e en exportation. Nous sommes premiers dans seulement 3 catégories. La proportion de citoyens incarcérés par habitant, le nombre d'adultes qui croient que les anges existent et les dépenses militaires qui sont plus élevées que celles des 26 pays suivants cumulés, dont 25 sont nos alliés. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est la faute d'une jeune étudiante un journalisme. Mais ça montre malgré tout de manière flagrante que tu fais partie de la pire génération qui a jamais vu le jour dans toute l'histoire de ce pays. Si tu me demandes ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde, la question est tellement conne que je n'ai aucune réponse. Yosemite ! On l'a été autrefois. On luttait pour des causes justes. On a voté des lois pour défendre nos valeurs. On en a abrogé d'autres contraires à ces mêmes valeurs. On menait des guerres contre la pauvreté, pas contre les pauvres. On n'hésitait pas à se sacrifier et à épauler nos voisins. On joignait le geste à la parole et on ne se montrait jamais orgueilleux. On a bâti de grandes et belles choses, inventé des technologies que personne n'aurait cru concevables. On a exploré l'univers, guéri des maladies incurables, donné naissance aux plus grands artistes et à la plus grande puissance économique du monde. Notre ambition nous donnait des ailes. On agissait en homme et on cultivait notre intelligence. On ne rabaissait pas celle des autres de peur de nous sentir inférieurs. On n'était pas défini par la personne pour qui on avait voté aux élections précédentes. Et on n'avait pas aussi peur. On était capable d'être et de faire toutes ces choses parce qu'on était informé. Par de grands hommes, des hommes respectés. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis ne sont plus le plus grand pays du monde. Ça te va ?